Je vous en parlerai dans une vidéo détaillée qui va arriver dans les prochaines semaines. Mais j'ai l'intention de bosser dans la... Yo les gens, c'est Aurélien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le point. La dernière vidéo point date du mois de mars, donc ça va être l'occasion de se poser tranquillou, de faire le point sur les choses dont j'avais déjà parlé dans la dernière vidéo et d'aborder de nouveaux sujets, plein de nouvelles. On va parler de YouTube, on va parler de ma série audio, on va parler du streaming, bref, plein de choses. Installez-vous confortablement, on est parti pour une petite vidéo update. Simplement. Et on va commencer par la série audio, parce que pour ceux qui ne le savent pas, depuis quand même maintenant quelques temps, je travaille sur une série audio très qualitative qui devait sortir, j'espérais, avant l'été, et en fait ça ne s'est pas fait parce que très compliqué, plein de problèmes, bref, fait chaud. Et du coup c'est un peu compliqué, et du coup ça a pris du temps, même moi je me suis un peu lassé du projet, j'avais un peu de mal à ce que ça avance. Du coup j'ai délégué une partie du travail, notamment la partie sound design, et il restait plus que le mixage, et je me sentais pas capable de faire le mixage parce que j'en pouvais plus, je pouvais plus voir ce projet en pâture. Et du coup je me suis dit, il faut que je trouve quelqu'un pour m'aider, et du coup j'ai trouvé quelqu'un qui va s'occuper du mixage. On est actuellement à 3 épisodes mixés, un épisode fini, définitif, donc là on est bon, donc on a au moins un épisode qui devrait sortir si tout va bien en septembre. Et l'idée c'est que la série fera 6 épisodes, donc on a déjà la moitié de mixé, il en reste 3. J'espère qu'on aura fini dans les temps. Je pense que les vidéos sortiront à un rythme de une vidéo toutes les semaines ou une vidéo toutes les deux semaines en bonus des autres vidéos qui sortiront. Je sais pas encore trop le planning exact de sortie, mais ça devrait donner un truc comme ça. Mais a priori, quoi qu'il arrive, vous aurez le premier épisode en septembre. Ça, c'est sûr. On va également parler de mon projet de jeu solo, dont j'avais un peu parlé dans l'épisode précédent, je me rappelle plus de ce que j'ai dit exactement, mais du coup, ça fait quelques mois, depuis à peu près, je pense, janvier, que j'ai vraiment commencé à réfléchir à mon jeu indépendant. Les choses avancent, elles sont sur de meilleurs rails, je trouve, mais il reste encore beaucoup de travail, notamment sur mon côté, parce qu'il manque toute la partie Game Design Document. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un document qui définit les règles du jeu. Et en fait, du coup, il manque encore beaucoup d'éléments. Alors on a débroussaillé énormément sur les premiers mois, puis ça a été un peu en stand-by. Là, maintenant, je sais à peu près ce que je veux faire. Donc j'essaie d'avancer sur le Game Design Document, et une fois qu'il sera fini, je vais essayer, dans la mesure du possible, du coup, de le soumettre à des game designers pour avoir des retours, voir si c'est cohérent. Et l'idée, c'est que l'étape d'après, on puisse développer un peu la partie jouet, donc vraiment juste un truc où on peut déplacer le personnage, etc., en respectant les règles du jeu. Après, on verra pour développer une petite démo du jeu, puis se pencher sur l'aspect graphique, puis sur l'aspect sonore. Bref, il y a encore plein de choses qui sont pas définies, d'autres choses qui sont très avancées, c'est encore un peu le bordel. Ça va avancer, mais pour le moment, je pense que je ne vais plus vous en parler, parce que sinon, je vais vous faire des vidéos pour dire « ça avance pas des masses, ça avance pas des masses, ça a pas grand sens ». Dites-vous que ça avance sans tâche de fond, et que il faut que j'arrive à resserrer l'équipe pour que les choses avancent plus vite. Et après, essayer de trouver un éditeur pour pouvoir financer tout ça, quoi. Ça avance, lentement, mais sûrement. Maintenant, on va parler d'Infinite Fleet. Pour rappel, Infinite Fleet, c'est un jeu AAA MMO stratégie dans l'espace sur lequel je travaille maintenant depuis plus de 6 mois. Pour ceux qui suivent un peu l'actualité du jeu, le jeu a passé sa close bêta. Une grosse étape pour moi qui a été très intense, très fatigante. Là, je suis un peu en vacances. Je pense que ça se sent un petit peu, peut-être. Mais du coup, là, j'ai pris des vacances pour me reposer un peu et ça fait du bien parce que ça a été vraiment assez épuisant. Mais je suis super content de ce que ça donne. Vous allez voir que le jeu va prendre de plus en plus forme dans les mois à venir. Malheureusement, je peux pas tant en parler que ça parce que jeu AAA, parce que pas les mêmes engagements. C'est un peu compliqué. Mais vous inquiétez pas, quand le jeu sera sorti, je sortirai des vidéos pour parler de tout le processus qu'il y a eu derrière et vous verrez, je pense qu'il y a moyen de faire au moins quasiment 6 à 12 vidéos, je pense, facile, juste pour parler de ce jeu-là. Tellement il y a de choses à dire. Et ouais, on en parlera en temps et en heure. Maintenant, on va parler des collaborations musicales. Alors, j'en avais parlé sur la vidéo précédente, ou je sais plus, c'était le bilan, je sais que j'en ai parlé à un moment donné, où je disais que je voulais faire plus de collaborations musicales. Et j'ai pu en commencer une, et j'en ai une deuxième que j'aimerais bientôt faire. La problématique que j'ai, la première a pris un peu de retard, pour plein de raisons, et je voulais pas me lancer dans une deuxième collaboration sans avoir fini la première, mais je vais voir comment ça avance, mais si ça avance pas assez vite, peut-être que je vais lancer une deuxième collaboration en parallèle. Je vais voir, c'est encore un peu le bordel, mais ça va avancer. Maintenant, on va parler du marketplace. Alors, pour ceux qui ne savent pas, depuis un moment, en fait, j'avais commencé à sortir des packs de sons.
C'est un endroit où vous pouvez acheter des packs d'assets, donc graphiques, sonores, des bouts de programme, pour vous aider à développer votre propre jeu. Et j'avais pas mal de sons qui traînaient d'anciens projets, et je trouvais ça dommage qu'ils n'existent pas, sachant que c'est des projets qui ne verront jamais le jour ou qui sont juste morts. Et du coup, je me suis dit, très bien, on va en profiter, je vais former des packs à partir de ça, et les sortir sous forme de packs de sons que vous pourrez acheter et utiliser pour vos jeux, à des prix très abordables, entre 5 et 20 euros, un truc comme ça. Et ça avançait pas, et grâce à l'aide de mon assistant, on va dire ça comme ça, une personne qui m'aide beaucoup, qui s'appelle José, les packs sont sortis sur pas mal de plateformes. Alors actuellement, vous pouvez les retrouver sur le Game Dev Market, sur l'Unity Marketplace, si je suis pas bêtise, Game Maker Marketplace. Et on est en train, au fur et à mesure, d'en uploader d'autres. Et en parallèle de ça, je suis en train d'en créer des nouveaux, parce que j'ai encore plein d'idées de packs que j'ai envie de faire. Ça va être cool. Voilà, c'est pas un truc principal sur lequel j'ai envie à fond développer à 200%, mais je trouve ça cool et ça me permet de créer des packs de sons dans des univers que j'ai pas forcément toujours l'occasion de faire. Par exemple, en ce moment, je développe un petit pack de musique de jeux d'investigation. Ceux qui me suivent sur Twitter ou LinkedIn, vous l'avez déjà vu. Allez faire un tour sur mon Twitter et vous pourrez voir tous ces petits trucs-là que je partage en world premiere. Petit aparté pour parler des projets d'avenir. Alors, depuis mars dernier, j'ai à peu près une vingtaine de projets potentiels qui se sont positionnés. Je ne sais pas encore lesquels vont vraiment se réaliser et lesquels pas. J'en ai quelques-uns qui sont en bonne voie, donc on va voir. Mais potentiellement, je vais être très occupé sur 2022 et peut-être 2023. Mais en tout cas, je peux pas en dire beaucoup plus que ça parce que c'est encore à l'état un peu de fœtus. C'est encore vraiment très tôt. Mais franchement, si même un tiers de ces projets se réalisent, je peux vous jurer que vous allez me voir faire des trucs de malade. Juste ouf. Et maintenant, on va parler de YouTube. Comme vous le savez, depuis maintenant 2 ans, j'arrive à maintenir à peu près un flux de une vidéo toutes les semaines. Ce qui est assez intense, on va pas se le cacher. Mais en même temps, je vois que j'ai réussi à mettre en place des systèmes pour faire du contenu de manière assez régulière. J'ai testé pas mal de choses là depuis 1 an. Et je commence à voir ce qui me plaît, voir ce qui me plaît moins, et voir un peu comment je peux orienter un peu tout ça. Et j'en suis venu à la conclusion que, à partir de la rentrée, vous aurez 2 vidéos par semaine sur la chaîne YouTube, voire potentiellement 3. Dans un premier temps, vous êtes sûr d'avoir au moins 2 vidéos par semaine, c'est-à-dire qu'il y aura un format classique, comme vous avez l'habitude de les connaître, et un format dit short, donc format de moins d'une minute. Il y a beaucoup d'extraits de vidéos, beaucoup d'extraits d'interviews que j'ai donné sur les 7 dernières années, que vous avez potentiellement loupé. Et je trouvais ça dommage de ne pas leur donner une seconde vie, donc j'ai décidé, là, pendant cet été, de récupérer des morceaux d'interviews un peu pertinents, de les condenser et de vous les partager, du coup, sur YouTube. Ils seront également sur un TikTok que je créerai plus tard, pas tout de suite, parce que là, la priorité, c'est YouTube. Mais du coup, vous aurez au moins, du coup, ces 2 vidéos par semaine. Et en parallèle de ça, je suis en train de développer d'autres formats, d'autres choses que j'aimerais vous partager. Donc, on va voir, mais a priori, la quantité de vidéos sur YouTube va augmenter. L'idée, c'est pas de faire plus de vidéos de moins bonne qualité, mais justement d'augmenter la quantité avec un niveau de qualité toujours similaire. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça va vous intéresser. Parce que là, mon but, c'est vraiment de vous apporter le plus de contenu possible et de pouvoir vraiment vous apporter une vraie valeur ajoutée. Également, il va y avoir des nouveaux formats qui vont débarquer. Je vous en dis pas encore plus que ça, parce que ça va être des formats un peu expérimentaux et on va en parler encore un petit peu après. Et également des refontes de formats, comme le format OST, où je parle de mon parcours, des projets sur lesquels je bosse, etc. Et j'en profite pour faire de la vulgarisation. Le problème de la vulgarisation, en fait, c'est que je me suis un peu piégé là-dedans, et au final, j'ai pas grand-chose à vulgariser de plus. Enfin, en tout cas, j'arrive pas à trouver un angle de vulgarisation où je me sens à l'aise. Et du coup, j'en faisais plus tant que ça, parce que ça me parlait pas. Et l'année dernière, j'ai sorti 2 épisodes d'OST qui me correspondent un petit peu plus, où je parlais vraiment du processus créatif, etc. Et là, on va tenter encore un nouveau virage avec une sorte d'OST Rebirth, où justement, on va expérimenter des choses. On va plus se focaliser sur comment je suis arrivé sur le projet, comment ça s'est passé, l'aventure dans le projet, etc. Plus que sur l'aspect création musicale. Parce que l'idée, en fait, c'est que sur la chaîne, on va avoir à la fois la partie compo, comme vous avez l'habitude de voir, sur je fais la musique de Street of Rage, je fais la musique de Hellblade, etc. Mais également, du coup, avoir des formats un peu plus narratifs où je vais parler un peu de mon parcours aussi parce que je pense que ça peut en intéresser certains. Donc on va voir, l'idée c'est vraiment de mélanger, composition, histoire et tout un côté challenge. C'est aussi un truc sur lequel j'ai envie de mixer. Et c'est pour ça que je vous dis que pour le moment, on va arriver à 2 vidéos par semaine et potentiellement peut-être encore un peu plus en fonction de à quel point j'arrive à produire du contenu. On verra ce que ça donne et j'espère que ça va vous plaire. Voilà, c'est l'objectif. Et maintenant, on va parler d'un troisième point, mais c'est pas du tout ça. Si vous me suivez depuis très longtemps sur ma chaîne YouTube, j'ai eu des phases où je faisais du streaming sur Twitch et sur YouTube. Et c'était quelque chose qui me plaisait pas mal. Mais le problème, c'est que je me sentais pas
super à l'aise devant une caméra, à maintenir un flux de parole pendant 2 heures. C'est compliqué et en même temps, j'avais envie d'en faire. Techniquement, j'avais commencé en 2015, en même pire, 2013, en tant qu'affilié Eclipsia à l'époque. Donc c'est pour vous dire à quel point ça remonte. Bah, je suis compositeur de musique, donc je peux pas non plus faire des vidéos YouTube, faire du streaming et composer des musiques. Et en réfléchissant et en cherchant une manière de le faire, j'ai trouvé un moyen. L'idée, ça va être de composer des musiques en live avec des challenges, travailler sur des projets de jeux vidéo, travailler sur d'autres choses dont je parlerai après, notamment un projet secret. Et voilà, l'idée, c'est vraiment que mes sessions de travail deviennent des lives Twitch. Et du coup, en fait, c'est juste que je travaille en expliquant ce que je fais. L'idée, c'est qu'on va essayer de commencer par un live par semaine, dans un premier temps, pour que je m'habitue à parler devant une caméra et expliquer ce que je fais. Et après, j'aimerais augmenter la cadence parce que je travaille un peu, je travaille tous les jours. Il n'est pas impossible qu'on passe à 1, puis 2, puis 3 lives par semaine, quoi, un truc comme ça. Je pense que ça serait pas mal et ça pourrait être intéressant. Voilà, j'espère que vous suivrez aussi mon aventure là-dessus. Sachant que là, je peux pas encore vous le montrer, mais si vous regardez là, par exemple, là, j'ai commencé à investir dans du matos pour justement pouvoir augmenter la qualité. D'ailleurs, on va faire une parenthèse matos, parenthèse matérielle. Comme vous le savez, j'aime bien le multicam, donc j'aime bien avoir plein de caméras et pouvoir vous proposer plein d'angles de vue. Sauf que j'ai toujours été limité par la thunasse et par le fait de mon inexpérience dans l'audiovisuel. Et entre-temps, j'ai fait 3 ans en tant que responsable d'une filière audiovisuelle, donc j'ai beaucoup appris. Et ça m'a permis de monter en gamme, de mieux comprendre et de pouvoir paramétrer mes caméras de la meilleure des manières et trouver des angles intéressants. Au moment où je vous parle, je suis en train de préparer un setup assez dingo. Je veux pas me jeter de fleurs, mais je trouve que c'est assez stylé, qui me permettra de composer et de filmer en même temps sans avoir à me poser de questions et de pouvoir vous proposer des choses vachement cool. Quand ça sera prêt, je vous ferai une vidéo dédiée pour vous expliquer tout mon setup et vous le verrez de façon en live sur Twitch et même dans les rediffs. Mais ça va être extrêmement stylé, j'ai très hâte de pouvoir vous montrer ça. Fin de la parenthèse matérielle. Et donc l'idée, c'est que pour le streaming, donc il y aura des lives assez réguliers. À minima, on va essayer de maintenir un live par semaine. Et toutes les rediffs de live seront sur une chaîne YouTube secondaire, dont je vous mettrai le lien en description, qui s'appelle Aurélien Montero Rediff. Replay, je sais plus, bref, un truc comme ça. Et sur cette chaîne, vous retrouverez du coup toutes les rediffs de mes lives en entier. Donc ça vous fera du contenu en plus. Et que si un jour j'ai envie de récupérer des extraits, je sais que j'ai toujours cette base de données là qui peut me servir. Et en parallèle de ça, il y aura des vidéos qui seront des remontages de live Twitch qui permettra d'avoir une version condensée. Comme ça, vous aurez la version condensée ultra quali sur cette chaîne et également la version brute de décoffrage avec tout le process de A à Z sur la chaîne Twitch. Comme ça, ça pourra convaincre tout le monde. C'est-à-dire ceux qui veulent vraiment voir le processus de A à Z, vous l'aurez sur la chaîne replay. Et ceux qui veulent la version courte, vous l'aurez sur cette chaîne-ci. Maintenant que la partie streaming est finie, on va faire un petit virage par la partie réseaux sociaux. Alors pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous savez que les réseaux sociaux, c'est pas forcément mon ultra dada parce que j'ai beaucoup de mal à gérer plein de trucs. Et du coup, le réseau sur lequel je me focalisais énormément, c'était Twitter. Et depuis que je suis reparti en indépendant, que ça serait quand même bien d'être beaucoup plus visible sur les réseaux sociaux. Et du coup, si vous me suivez sur LinkedIn, Twitter ou sur Instagram, vous remarquerez qu'il y a beaucoup plus de contenu, je tweete quasiment tous les jours, je poste 3 posts Instagram par semaine et à peu près pareil pour LinkedIn. Mon objectif, c'est vraiment de vous partager un maximum de plus-value, d'être beaucoup plus présent sur ces réseaux. Tout ce que je fais, je le partage au maximum. Et d'ailleurs, TikTok va être un vrai objectif. J'aimerais bien pouvoir partager du contenu sur TikTok, mais pour le moment, je ne le fais pas parce que je voudrais voir comment je peux apporter de la plus-value et faire des formats calibrés pour TikTok. De la même manière que je fais des formats qui sont adaptés à YouTube, je veux faire des formats qui sont adaptés à TikTok, donc ça se réfléchit. Ça prend du temps et voilà, ça va arriver. Bon, maintenant qu'on a fait un peu un petit débrief de tout ça, j'aimerais vous parler d'une nouvelle aventure dans laquelle je vais me lancer. Je vous en parle rapidement, mais depuis quelques mois maintenant, j'ai des nouvelles ambitions, j'ai des nouvelles envies. Je vous en parlerai dans une vidéo détaillée qui va arriver dans les prochaines semaines. Mais j'ai l'intention de bosser dans l'animation japonaise. Nani ? Donc certainement pas dans le futur très proche, mais j'espère pouvoir le faire dans les prochaines années. Et du coup, l'idée, c'est que je vais documenter tout ça sur YouTube, dans une série dédiée. Et le premier épisode sortira normalement au mois de septembre. Maintenant, je vous rassure tout de suite, je vais pas abandonner le jeu vidéo. Et loin de ça, je compte encore être à fond dedans. Mais j'ai envie de tenter ma chance dans l'animation japonaise et je pense que c'est le bon moment, donc on verra bien. Je vais tenter le coup et puis on verra ce que ça donne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais absolument faire le point sur tout ce qui m'arrive là depuis mars. Il se passe tellement de choses, ça va tellement vite. Et en même temps, c'est un peu grâce à vous aussi. Donc merci à vous de regarder mes vidéos, d'être là après toutes ces années, de continuer à suivre mes vidéos. On est passé les 4000 là il n'y a pas très longtemps et moi ça me fait très plaisir. Je pensais pas un jour passer les 4000 sur une chaîne qui parle de musique et de sound design dans le jeu vidéo, donc c'est quand même extrêmement gratifiant. Merci à vous, tout simplement.
Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me dire dans les commentaires s'il y a des choses qui vous hype, s'il y a des choses que j'ai pas été clair, faites-le moi savoir dans les commentaires, je serai là pour y répondre. À vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez aller sur mon Spotify, Deezer, etc., écouter mes musiques ou aller acheter mes packs sur Game Dev Market, tout ça, ou même aller sur mon YouTube. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Tchuss !